Bonjour, moi c'est Quentin. Moi c'est Guillaume. Je suis un Auvergnat d'origine et je suis venu sur les terres grenobloises pour étudier en école d'ingénieur à Grenoble INP Felma exactement. Moi je suis d'origine romoise mais grenoblois d'adoption. Je suis triathlète et j'effectue 80% de mes déplacements à vélo. Je suis aujourd'hui étudiant à Grenoble IAE en master entrepreneuriat et donc j'allie mes études et mon projet entrepreneurial Bycommute. Nous avons cofondé Bycommute, une entreprise qui a pour but de favoriser les mobilités douces en proposant aux entreprises et aux collectivités de sécuriser les vélos pour leurs employés. Avant de rejoindre Grenoble IAE, j'ai effectué le DUT GEA à Grenoble où j'ai pu acquérir des bases solides en gestion et puis surtout développer une appétence pour l'entrepreneuriat. J'ai fait une prépa intégrée à Polytech Montpellier avant de venir à Felma, là où j'ai pu acquérir des connaissances solides et une manière de m'organiser qui me sert tous les jours dans ma vie d'entrepreneur. Bycommute, c'est la solution qui libère les cyclistes et plus généralement les utilisateurs de mobilité douce de la peur du vol. En France, on estime qu'un vélo est volé toutes les minutes, alors face à ce constat, et pour sécuriser l'ensemble des mobilités douces, Bycommute sécurise vos vélos. Plus concrètement, Bycommute, c'est une promesse. La promesse de sécuriser vos vélos dans un box conçu sur la base d'un conteneur maritime qui aura désormais une seconde vie plus sobre et plus simple. C'est un box à vélo qui atteint la neutralité carbone seulement un an et demi après la pose. Il va vous permettre de sécuriser vos mobilités douces tout en mettant en avant l'image de marque de votre entreprise. Moi, si j'ai un conseil à donner à un étudiant qui regarde cette vidéo, il est simple, c'est lance-toi. Lance-toi parce que tu ne seras jamais prêt en fait. En te lançant, tu vas pouvoir créer des opportunités, tu vas pouvoir comprendre ce qui n'a pas fonctionné et apprendre. Et si jamais tu fais le pas de se lancer, si tu procrastines le lancement de ton entreprise, alors crois-moi, tu ne le feras pas. Il faut aussi y croire en son projet, s'entourer des personnes qui croient à la fois en vous et en votre projet. Et puis, vous pouvez rejoindre le mouvement des étudiants entrepreneurs au Pépitosé, où il y aura des accompagnants et tout un réseau, une communauté d'étudiants qui sera là pour, à vos côtés, créer l'entreprise de vos rêves.